Francis Graffard, dans le Quintet de Toulouse, vous allez présenter Veslov. Francis, un Veslov qui a fait son retour dans les grands handicaps la fois dernière. C'était très bien, troisième, c'est ce qu'on attendait de lui ? Je m'attendais à une bonne performance parce que le cheval a fait que progresser avec ses courses de cette année. Bon, c'est un vieux cheval qui a besoin de se remettre en route, voilà. Et puis il était tombé à une valeur qui pouvait correspondre à ses aptitudes et j'étais vraiment satisfait de sa course. Francis, c'est vrai que quand on voit sa valeur actuelle sur ce qu'il a fait de mieux, c'est vraiment très intéressant ces courses-là pour lui. Oui, je pense qu'il est mieux sur gazon aussi, donc c'est la dernière opportunité de l'année dans un gros handicap. 2400 mètres, ça devrait pas le déranger. Au contraire, je dirais même. C'est un cheval sympa, on court, c'est un petit peu rapproché, j'espère que ça va bien se passer et que la piste sera pas trop abîmée. Que ce soit très souple, c'est pas gênant, mais que ce soit pas vraiment faux. C'est un cheval qui a besoin d'avoir trouvé ses appuis quand même un petit peu. Vous le connaissez parfaitement maintenant. On l'a au mieux en ce moment. Ouais, je pense qu'il était bon. Il était déjà très bien l'autre jour à Saint-Cloud. Il est resté bien. Il a rien fait depuis la course, mais le cheval a l'air très bien physiquement. Son jockey est content, donc voilà. Finalement, seul ombre au tableau, si la piste est abîmée, ça peut être un poil moins bien pour lui. Ouais, il faut que ce soit pas faux, que ce soit bien souple, mais. Bon, Christophe l'a monté le dernier coup, il le connaît, j'espère qu'il va avoir un bon parcours, on peut s'attendre à une bonne performance du cheval.